Cette semaine, un tutoriel pour découvrir Quant, un moteur de recherche tout aussi efficace que Google. L'intérêt par rapport à Google, c'est qu'il ne vous piste pas et ne récolte aucune donnée personnelle sur votre navigation ou vos achats par exemple. Donc une première présentation, Quant Lite. Vous voyez que c'est une barre très épurée puisque par définition c'est light. Ensuite, nous allons prendre un autre moteur, quant.com, vous voyez, qui est beaucoup plus complet, qui permet de rechercher sur le web, ou sans ça de l'actualité, sur les réseaux sociaux, aussi un mode de recherche image, des vidéos, vous pouvez même faire vos courses, par exemple, et ici, également chercher de la musique hein, sur ce moteur. Voilà. Alors, il existe aussi une version Quant Junior spécialement dédiée pour les élèves. Vous voyez ? Donc, par exemple, on va chercher, je ne sais pas moi, Lyon. Et voici ce qu'on obtiendra. Alors, si on se met en mode image, eh bien, on obtiendra toutes sortes d'images. Ici, on a toutes les tailles. Hein. Par exemple, moyenne. Très intéressant. Hein. Si on recherche des images, on est sûr de tomber hein, sur des images de Lyon et pas autre chose. Alors, comment est-ce que l'on peut faire pour l'installer dans sa barre de recherche, par exemple Firefox? Eh bien, tout simplement, quand vous êtes, par exemple, ici, vous voyez, hein, par définition, c'est Google. Ici, vous voyez, si je veux Quant Lite, je me mets ici, je tape, par exemple, Quant Junior, je fais entrer, je me connecte sur Quant Junior et ici vous voyez va apparaître hein, un petit plus qui vous permettra de l'installer parmi les moteurs de recherche. Alors pour vous montrer comment ça fonctionne, je vais désinstaller moi Quant Junior et le réinstaller. Donc dans les préférences, ici on a contenu. Alors au niveau de la recherche, vous voyez ici, hein, j'ai plusieurs moteurs de recherche. Je vais prendre Quant Junior. Je vais le supprimer. Vous voyez, tout simplement. Et maintenant, vous voyez, apparaît ici un petit plus. Donc, je clique sur ce petit plus et je fais Ajouter Quant Junior. Désormais, Quant Junior est parmi mes moteurs de recherche. Alors, si vous voulez qu'ils apparaissent en premier, vous voyez, on clique dessus. Et puis, vous voyez, je le déplace et je mets parmi les premiers moteurs. Vous voyez, j'ai mis Quant Lite, Quant Junior, je peux mettre Quant.com, ici, avant Google. Voilà, donc vous avez désormais trois versions de moteurs de recherche à votre disposition, qui sont tout aussi efficaces que Google, et qui ont le gros avantage de ne pas vous pister et récolter de données personnelles. Voilà, à bientôt pour un autre tuto. Et bonne recherche.